normalement quoi. Ça va les mecs, vous me dites hein, si je vous emmerde. Hein. Ah d'accord, le chien est carrément venu ici. Je savais pas que j'avais affaire à Sangoku, excuse-moi. Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Vanguard. Et aujourd'hui on se retrouve pour une classe que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde a réclamé sur le jeu. Ma best class est top bar. Et en soi c'est un peu normal étant donné que c'est très clairement une des armes méta du multiplayer. Elle met littéralement 2 balles pour tuer quelqu'un. C'est beaucoup trop fort. Honnêtement, c'est beaucoup trop fort sur le jeu. J'espère que prochainement, qu'il y aura quand même un patch note dessus, parce que l'arme met 2 balles, tu peux enchaîner, partir à droite, partir à gauche, rusher avec l'arme. Et c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de patch note pour le multiplayer, il y a beaucoup de patch note pour Warzone, mais pas énormément pour le multi. Mais avec cette classe-là, j'ai réalisé énormément de nucléaires, double nucléaire, et j'ai carrément tapé ma première triple nucléaire avec cette arme-là. Évidemment, avant de vous montrer la best class setup, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et de lâcher un gros pouce bleu. Défonce la barre de like, mon pote. T'es sur la vidéo, tu likes, ça prend quelques secondes. Tu likes la vidéo. Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures. Évidemment, pour mettre en avant la best class setup, je vais vous proposer 2 gameplays. Une nucléaire express réalisée sur Demiansk et un 50 gun strike. En l'occurrence, 50 kills à l'arme sans jamais mourir. En gros, double nucléaire équivalent. Comment c'est mauvais côté? Pour changer. C'est pas comme si je les avais bien soulevés là. C'est moi ou je les ai soulevés là. Mon dieu, ce que je suis en train de leur mettre. Fusée V2. Ok. 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 On va déplacer un peu la plateforme. On va mettre à notre avantage. Par contre, je vois strictement personne. Ok, la petite double. Ah non, la barre, par contre, rien n'a été patché dessus. Hein. Je te garantis que la barre, elle est toujours aussi surpuissante. Hein. Elle est très clairement au-dessus encore là-bas. Hein. Ouais, non, non, non. La barre, c'est toujours GOT. Hein. C'est toujours la meilleure arme du multi, là. Ah, tant mieux d'ailleurs. Tant mieux. Il commence pas à faire des patchs par-ci, par-là, sans qu'on puisse être au moins, au minimum, un coup au courant. T'es mort. Essaye de temps en temps de faire des petits pré-shoots à travers le truc, mais... Ça t'es mort. Ah, il y a un mec qui essaye d'allumer depuis tout à l'heure, mais alors, savoir où il est... Ça va peut-être un peu bouger. Ah, je me suis un peu éclaté la cheville, là.
les chiens. Ah, je suis mort. Vous avez vu en haut à gauche? Pète-moi le cul, Octet, je t'aime. Non? J'ai eu de la chatte. Vous avez vu le message? Pète-moi le cul, Octet, je t'aime. Ah, je suis mort. Ah, je suis mort. Ah là là. Ah, je suis mort. Bien vu. Ah là là. J'ai joué avec les subs, frérot. Bon bah fusée V2 hein. Première game, deuxième game de la journée, fusée V2, ça va, on enchaîne bien je trouve. Ah non, il est pas content en face hein. Putain. Il est vraiment pas content hein. On est en train d'enchaîner en termes de kill, attention hein. Bah du coup il voulait que je lui fasse le cul, bah je l'ai fait exactement ce qu'il voulait hein. J'ai accédé à sa requête, hein. La barre? Non, mais la barre, c'est n'importe quoi, frérot. La barre... C'est n'importe quoi, hein. Vous vous rendez vraiment pas compte, hein. C'est au-dessus, la barre. C'est des deux balles, hein. Essaye la trip. Ouais, j'ai envie de continuer des kills, là, sans mourir. C'est pas pour toi. Bah, par contre, c'est normal que j'ai jamais de munitions. Pourquoi j'ai pas de mine à chaque fois, là? Genre, what the fuck? Attends, mais j'ai pire pourtant. C'est quoi ce bordel? What the fuck? Pour le coup, tu lui as vraiment pété le cul. Hein. Ah bah oui, là, alors là. Mais what? Mais genre, pourquoi j'ai jamais de mune? Attends. Mais j'ai pire pourtant. Tu es pire, il est bugué aussi? Mais tout est bugué dans ce jeu, c'est un truc de fou. Foutez-moi la paix. Un pillard. Eh bah putain, on doit se battre hein, pour un pillard. Hein. Putain, faut vraiment se battre. Hein. What? Je vais mourir. Ah, c'est bon, j'ai récupéré un pillard. What the fuck là? Je sais même pas, je suis à combien de kills sans mourir là. Ah, par contre, mes potes, vous m'aidez pas beaucoup là. Y'a pas beaucoup de microstations orbitales dans le coin. Oh oh, des problèmes. Oh, faudrait quand même qu'on se casse un peu là. Je t'avoue que je sais pas comment me déplacer là. Oh oh. Ouais, les alliés, ça... Ok. Je vous avoue que je sais pas trop comment me déplacer, là. On a 44. Ah, on a 44, encore 6 kills. Ok. On continue hein. Bon. Bah 50 hein.
50 kills sans mourir. Bah c'est double nucléaire là. On peut potentiellement aller chercher la triple nucléaire. Bah let's go hein. Ouais bah balance ta pas Lolo là, je suis en série potentielle d'une triple nucléaire. C'est W2 hein les frères hein. Il y a des gens qui osent me dire que la barre elle est pas ouf. Il y a vraiment des gens. Oh la moins 3. Balance le drone. On va juste faire un peu attention là parce que ça va vouloir quand même un peu ma peau là j'ai l'impression. Qu'est-ce que je disais? Oh oh, des problèmes. Bon on a les chiens. Mais oui. Non. Non. Non, non, le jeu troll. Non, je suis désolé. Ça fait 3 fois que je te demande des chiens, putain. Ah, le jeu, il troll. La tête de ma mère, le jeu, il troll. Non, je sais que c'est moi. C'est moi, Lolo. Non, le jeu, il troll, on est d'accord. Ça fait 3 fois que je lui demande des chiens, vous voyez bien. Ouais, bien que je fais ça. Vous voyez bien que... Non, mais vous avez vu. Vous avez vu à chaque fois que j'ai fait comme ça. Gros plus. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que les gameplays vous auront plu. Juste avant d'attaquer la PSK Setup, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu. C'est la récompense pour la vidéo, pour les gameplays proposés, etc. Et pour la petite PSK Setup. Donc on attaque tout de suite avec... la bouche, et qu'on va attaquer directement avec le silencieux Mercure. Alors ça va être un peu bizarre de la perte de la portée de dégâts, etc. Toutefois, il me faut du contrôle de recul. Évidemment, vous pouvez jouer avec le silencieux MX, mais le problème, c'est que vous allez perdre de la visée accélérée, et déjà que c'est assez lent de viser avec cette arme-là. Donc, mettez le silencieux Mercure. D'ailleurs, c'est un peu normal que ça soit buggé en termes de multiplayer. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de silencieux lorsque vous tirez. Ne vous inquiétez pas, c'est un bug du jeu, enfin... les nombreux bugs du jeu disponibles à l'heure actuelle. Ensuite, au niveau du canon, vous allez mettre le deuxième. Vous allez mettre ensuite le fameux déflecteur ardoise, vous connaissez sa force. Et c'est là où beaucoup de choses vont changer. En cross, j'ai décidé donc de mettre la crosse retirée. Pourquoi? Tout simplement pour la visée accélérée, précision initiale et recul, vitesse de marche en visant. Et ce qui va vous permettre de rusher avec la barre, justement. Le tour de passe-passe, vous pouvez éventuellement mettre visée extrême, mais personnellement, je préfère très clairement le tour de passe-passe. Vous connaissez la suite chargée à bloc. Ensuite, le poignet en tissu pour visée accélérée. Le chargeur, vous allez mettre le dernier. Les types de munitions subsoniques, parce que sinon, même si vous mettez le silencieux, on vous remarque sur la mini-carte, donc c'est important de le mettre. Et pour terminer, la M1930, tout simplement pour avoir une bonne précision et une bonne stabilité de visée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement, autant que ça soit YouTube ou que sur Twitch. Moi je vous dis bye et à la prochaine, peace out. Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublie pas de checker les autres vidéos.